Donc yo les gens, ici Rafi 7250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Donc ce sera pour vous présenter l'emplacement de tous les spectres qu'il y a dans le nouveau mode partie privée. Donc il y a 27 spectres à récupérer dans ce nouveau mode. Donc après, option de partie, donc vous avez juste à choisir à chaque fois une nouvelle carte. Donc moi je vais vous laisser avec cette vidéo. Et comme ça, bah, vous pourrez voir directement les emplacements des spectres. Et moi je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Voilà, bon visionnage pour la découverte des spectres.
Donc voilà les gens, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aidera pour trouver tous les spectres défunts qu'il y a maintenant dans le nouveau mode en partie épreuve privée, voilà. Donc par contre, juste avant, je vous ai pas dit dans ma vidéo, mais introduction, la partie d'introduction de la vidéo, en fait je les ai fait dans l'ordre. Donc vous voyez, page 1, si vous commencez par Anomalie, bah, vous avez juste à suivre les vidéos, et ils sont tous dans l'ordre. Donc ça fait page 1, page 2, donc après ça va dans l'ordre, page 3, page 4, etc. quoi. Donc voilà, et bah, je suis désolé si des fois on avait l'impression que je suis perdu, c'est que moi je l'ai fait par rapport à j'ai regardé des vidéos sur j'ai trouvé. De toute vous trouvez des tonnes de vidéos YouTube qui vous expliquent. Donc moi j'ai été voir sur une chaîne YouTube. Par contre moi c'est pas le même spawn, donc je vous conseille de faire comme ma vidéo. Parce que moi j'ai pris le. Si vous faites avec un ami par exemple, vous n'allez pas spawn au même endroit que moi, c'est le spawn obligatoire. Quand vous le faites en solo comme ça, vous êtes sûr de prendre le même chemin que moi et pour avoir les specs, ouais. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis prochaine comme prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.